Aujourd'hui, on est la veille de la première semaine d'examen. Du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment est-ce que mes dernières journées de révision se passent. Ces deux semaines ont été hyper épuisantes. Mais bon, là, ça touche à sa fin. C'est le début d'examen qui arrive. Et on le ressent très bien parce que je commence à avoir des boutons qui ressortent un peu partout. Comme vous voyez aussi derrière moi, j'ai eu envie de changer la disposition de ma chambre. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, bah du coup, je vous fais genre que je rentre. J'ai mis mon panier à linge juste ici. Mon miroir juste ici, on me demande tout le temps d'où il vient et il vient de Ikea, mais j'ai pas le nom, désolée. La petite table ici aussi de chez Ikea avec les bougies de chez Ikea et l'élément décoratif de chez Action. Alors le plus gros changement, je crois que c'est le fait que j'ai changé le fauteuil que j'avais dans ma chambre. En fait, le fauteuil était énorme. Pour le moment, j'ai laissé juste un repose-pied en tant que gros pouf comme ça. On a le bureau juste ici, je dois encore ranger mes affaires, mais bon. La principale raison pour laquelle j'ai fait ces changements, c'est pour avoir mon lit par là. Je trouvais que ça donnait un petit peu mieux, surtout avec les cadres juste au-dessus. J'avais envie de le rapprocher un petit peu de la fenêtre et je trouve que ça rend bien, quoi. Juste en face de mon lit, j'ai mis cet énorme miroir qu'on a chopé en seconde main. Et sinon, on retrouve encore mon armoire au même endroit. J'ai un cours d'histoire des relations internationales à terminer aujourd'hui. On va s'empresser de faire ça, d'autant plus qu'il me reste une bonne vingtaine de feuilles. Enfin bref, vous allez juste m'accompagner dans une longue, longue journée d'études. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, aujourd'hui on va travailler sur mon cours d'histoire des relations internationales. Et alors pour ceux qui se demandent comment est-ce que je travaille, je passe tout le cours en revue. C'est-à-dire que je vais lire donc chacune des feuilles de cours. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais lire donc cette feuille-là. Je vais surligner les éléments importants. Je vais ensuite remettre sur une feuille qui est toute blanche. Bon, du coup, comme vous l'aurez compris, maintenant je vais aller en pause. J'ai presque fini l'avant-dernier chapitre. En fait, il me reste 2 pages, mais je me suis dit que c'est bon, je méritais une pause. La fin du chapitre, c'est vraiment juste des discussions à propos, donc comme vous voyez, c'est genre interpréter la guerre, des discussions à propos de livres, de films, etc. Donc ça va être assez rapide. C'est plus de la compréhension, on va dire, que de la théorie à apprendre.
Du coup, j'ai terminé l'avant-dernier chapitre. Là, on m'a appelé pour manger, donc je vais y aller. J'ai un petit peu débarrassé mon bureau et tout ça. On va attaquer ce soir la partie du travail la plus chargée parce qu'il va falloir que je boucle un chapitre en une soirée. Franchement, ces vlogs, c'est pas les plus intéressants. Enfin, il n'y a pas trop d'action ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut quand même aider certaines personnes à rester motivées, de voir quelqu'un travailler ou quoi. Je vous souhaite vraiment bon courage. Même si le début de session, peut-être s'est mal passé, j'en sais rien, la fin peut toujours mieux se passer. Et puis, comme moi j'aime bien dire, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la fois prochaine. Si vous avez étudié, c'est pas pour rien. Imaginons, même si vous ratez l'examen qu'il y a maintenant, genre en janvier, vous pouvez toujours avoir une étude en plus qui est faite pour le mois de mai, juin ou août. C'est du travail de fait, c'est pas étudier pour rien. C'est juste qu'il va falloir que je me prépare un petit peu plus que ce que j'ai fait à Noël. Là, je vais juste aller manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors il est 17h30, je me sens toujours pas de commencer ma session de travail du soir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon manteau, des bottes et je vais juste aller faire un tour vite fait. Dans un premier temps pour prendre l'air mais aussi pour bouger mon corps. Parce que je vous jure que passer des heures et des heures et des heures sur son bureau, mon dos il n'en peut plus. Alors, je vais pas vous mentir, là il est 20h45. Depuis que je suis montée avec mon café, je fais que procrastiner. Vous excuserez ma tête aussi, c'est la fatigue qui ressort énormément. Et voilà, quand je vous disais les boutons, clairement là vous les voyez bien. J'ai mis mon tel de côté, histoire de pas être perturbée. Et maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement commencer à me concentrer pour étudier. Vous voyez que mes yeux aussi commencent à devenir rouges, c'est parce que je suis fatiguée. J'attends mes vacances, la vérité. Je trouve ça injuste que nos 2 semaines de vacances soient des semaines de révision. Mais bon, que voulez-vous ? Il est exactement 22h30, la fatigue se voit de plus en plus, mais j'ai toujours pas terminé de travailler mon chapitre. Il me reste encore genre 10 feuilles peut-être, donc on va terminer ça. Enfin en fait j'ai pas enlevé mon mascara et donc du coup il y a des traces noires qui se font autour de mes yeux, enfin bref. Je travaille toujours avec la même technique on va dire que je vous ai dit plus tôt dans la journée. Mais en attendant je suis partie aussi me chercher une mandarine. Et je me suis fait un café au lait. Je termine ce bloc, je reprends une mini pause et ensuite j'aurai encore 5 feuilles pour terminer tout le cours. Si tout se déroule comme il faut, normalement à 1h30 j'ai fini. Mais on verra.
Il est 2h du matin. J'ai terminé quasiment tout mon cours. En fait, il me reste 4 pages. Mais je pense pas que je vais les terminer aujourd'hui. Ce qui me reste à faire, c'est juste la conclusion en fait du dernier chapitre. Je trouve qu'aujourd'hui j'ai quand même bien travaillé, d'autant plus que c'était ma dernière journée avant de rentrer officiellement dans les semaines d'examen. Mes cernes commencent vraiment à se creuser de ouf. Je pense que je vais juste aller faire un tour en salle de bain histoire de brosser mes dents et mettre une crème sur mon visage. Voilà les vestiges du stress, parce que franchement la vérité, je ressens pas de stress physique, genre j'ai pas genre une boule au ventre ou quoi que ce soit. Maintenant c'est sûr, j'ai pas examen demain donc c'est normal, mais genre c'est ici que ça sort.